Mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'en profite puisque c'est le week-end, donc je vous filme un petit peu quelques vidéos. Voici une revue sur mes petits produits Sienne et de la gamme Cellular Beauty dont je vous avais présenté. Je vous avais fait une petite photo en fait sur Instagram et je vous avais présenté ces trois produits sur, je ne sais plus, il me semble dans un haul, dans un de mes derniers hauls. Je vous avais dit que je vous en reparlerai, donc c'est parti. Donc comme je vous l'avais dit, je vous reparlerai très prochainement des fameux de la fameuse gamme Cellular Beauty de chez Sienne. C'est une gamme que bizarrement, après les avoir achetées depuis novembre ou décembre, je ne sais plus exactement puisque il me semble que c'était en période de fête, je ne les retrouve dans aucun Lidl. Donc la marque Sienne, c'est la marque officielle des produits de beauté, soins de chez Lidl. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je ne les retrouve plus du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi ou ce qui s'est passé. J'ai posé la question à une responsable de magasin, elle m'a dit qu'elle ne savait pas effectivement qu'ils en avaient plus reçu. Il me semble qu'il y avait une crème de jour, une crème de nuit, un contour des yeux, un sérum. Donc je n'avais pas acheté toute la gamme puisque j'avais déjà une crème de jour en cours et d'ailleurs qui est toujours là. Hein. C'est une gamme d'ailleurs de Action et ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais cette gamme là, bizarrement, vous pouvez, en tout cas moi, chez moi, je ne la retrouve pas. Et Dieu seul sait si elle est très bien. Je vous en reparle tout de suite. Donc on va parler d'abord de la crème de nuit. La crème de nuit a une consistance assez épaisse. La propriété de cette crème est qu'elle hydrate intensément les parties sèches de la peau, elle préserve la peau du vieillissement, elle diminue les rides, retend la peau de façon visible, contribue à la régénération cellulaire de la peau et redonne un teint uniforme et une peau éclatante dès le réveil. Il me semble qu'ils sont enrichis en... je sais plus en quoi d'ailleurs, il me semble que c'était indiqué. Formule au Miramaz. Voilà, pour une peau fraîche et radieuse. En plus, vous avez une graduation pour vous dire à partir de quel âge. Donc bon, moi j'ai plus de 35 ans, donc forcément, j'ai pas fait gaffe en fait. J'ai pris en fonction. Et apparemment, ils ont mis 20-25. Tant pis, j'ai plus de 35, mais c'est pas grave. Donc, très très bon produit. Une formule hyper agréable. L'odeur aussi est très agréable. Vous aviez un petit film protecteur. Ça sent en fait une crème hydratante classique. Mais agréable, très agréable sur la peau, la texture est très riche, on sent que c'est une texture épaisse qui va vraiment être sur la peau pendant un bon moment. Et ce qui est encore plus agréable, c'est qu'elle pénètre très vite dans la peau. Donc moi j'ai une peau extrêmement sèche et déshydratée, vous le savez maintenant. Je suis obligée, surtout en ce moment, là il commence à faire très beau et très chaud, je suis obligée en ce moment de... Le soir quand je me démaquille, donc je me démaquille donc deux fois, donc je fais mon démaquillage habituel avec ma cette espèce de crème de chez Estée Lauder qui est en fait une crème qui fond, vous savez, l'huile dure là, j'ai oublié le nom de ce truc, je vous remettrai une photo si j'y pense. En fait, je me démaquille avec ça, ensuite je me redémaquille avec une lotion hydratante, ensuite j'applique une lotion hydratante, je lave bien sûr ma peau et je me réapplique une lotion hydratante. Donc c'est tout un truc en ce moment pour me démaquiller, je vous explique même pas parce que j'ai une peau qui souffre. Et tout de suite après, j'applique en fait pas ça. J'applique d'abord le sérum, mais ça je vous en parle tout à l'heure. J'applique le sérum avec le produit de chez Estée Lauder qui est le sérum Revitalizing Supreme machin. Là je peux l'utiliser que le soir, hein. Clairement j'utilise même pas en base de maquillage, je l'utilise que le soir. Et en fait j'applique ensuite ceci. Ma peau boit ce produit d'une façon assez extrême parce que juste après, bon je rentre, il est 20h à peu près, ça dépend, entre 18 et 20h, et en fait ma peau boit tout le produit. Mais quand je vous dis tout le produit, je suis obligée, parce que je vais regarder la télé, je vais lire, je vais faire un truc avec mon chéri, peu importe. Le soir avant de me coucher, vraiment, j'en réapplique une couche pour être sûre que ma peau va tenir le choc de la nuit, parce que je vous explique même pas, le matin quand je me lave le visage, ça me retiraille de fou. J'ai une peau extrêmement sèche. Donc c'est limite un truc que je pourrais appliquer en base de maquillage tellement ma peau est en souffrance. Mais clairement le matin ma peau est un petit peu plus, c'est-à-dire qu'elle est sèche, mais un petit peu moins sèche on va dire, c'est moins pire que la veille au soir. Voilà ça que je veux dire. Du coup j'applique ma base de maquillage. Par exemple ce matin j'ai mis ma base de maquillage, j'ai mis ma crème Alvira là de chez Sienne, donc la
de chez Sien, n'importe quoi, de chez Alvira, la Skin Essentials, donc de chez Action. Ça, je vous en reparlerai de cette crème parce que ben, vous le voyez, je l'ai quasi terminée. Je l'aime bien, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc, ce produit est une petite tuerie sur ma peau, franchement, très 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 bon produit. Un vrai must-have, j'en ai pour un moment, je vous dis, je l'ai utilisé ben, depuis... Je l'ai acheté en fin d'année et j'ai commencé à l'utiliser en février, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je l'ai encore. Ensuite, deuxième produit, et j'aurais dû commencer par celui-ci, mais c'est pas grave, c'est le fameux sérum. Vous le voyez, je l'ai quasi terminé. C'est un produit que je combine avec le fameux sérum de chez Estée Lauder. Je vous le prends. Donc avec le Revitalizing Supreme Plus de chez Estée Lauder, je combine les deux. Et c'est en fait la pré-couche d'hydratation que je mets en ce moment à ma peau. Ça me fait un bien fou, je vous explique même pas. Est-ce que c'est ça tout seul ou ça avec, je pense que les deux ensemble font un travail de dingue en ce moment sur ma peau. Je n'ai aucun souci ni de boutons ou quoi que ce soit. De toute façon, j'en ai, je touche du bois. Je n'ai jamais eu de boutons, ne serait-ce que même, enfin, j'en ai une fois de temps en temps. Quand je dis jamais eu, j'en ai très très peu. Ça arrive et j'en ai un sur le front, deux trois en bas du menton et encore, mais c'est très rare. Et même quand j'ai mes trucs de fille chaque mois, franchement, j'ai pas de réaction cutanée extraordinaire. Loin de là. Donc ce petit produit est très léger. Il arrive avec un petit flacon de pompe, comme vous pourrez le voir. Je vous ferai des close-up hein, pour que vous puissiez mieux voir les produits. Et en fait, vous avez donc un produit. Ah, je vous ai pas donné la contenance de la crème, mais la crème, je disais tout à l'heure, 50 ml. Donc c'est une contenance classique. Le prix de chacun de ces produits, c'est 3,49€, me semble-t-il, puisque c'est quelque chose qui m'avait assez étonné. Ils avaient fait tous les produits au même prix. Donc voilà. Ça, j'ai oublié de vous le dire aussi. Donc vous avez ce sérum qui est censé renforcer le film protecteur naturel de la peau, aide la peau à contrer le processus de ralentissement du renouvellement cellulaire dû à l'âge, la peau retrouve son élasticité et les ridules diminuent, hydrate intensément et durablement la peau. Mode d'emploi, appliquer matin, soir ou matin et soir, éviter le contour des yeux, utiliser en complément des crèmes de jour et la quantité résiduelle peut être récupérée. Ah oui, on peut récupérer en fait le reste en dévissant le bouchon. Donc ça, c'est cool qu'ils vous le mettent sur le packaging parce que des fois, vous savez, vous finissez ces trucs, vous dites merde, bah en fait ils vous le mettent sur le packaging, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, c'est un très très bon produit. Alors là apparemment c'est à partir toujours 25-30 ans, ah ou ça doit être l'inverse, je sais pas comment lire la graduation en fait. Bref, moi vous le savez, j'ai plus de 35 ans maintenant, mais voilà, les sérums pour moi c'est une obligation le soir avant ma crème hydratante, je suis obligée d'appliquer ce type de produit pour deux raisons. La première raison c'est que ma peau manque d'eau terriblement, je ne vois pas assez d'eau, j'ai deux bouteilles d'eau, je vous parle, j'ai deux bouteilles d'eau près de mon lit, j'en bois le soir parce que le soir il m'arrive d'avoir hyper chaud, mais je n'en bois pas assez durant la journée. Donc moi, pour moi les sérums c'est une obligation le soir juste avant ma crème hydratante. Le matin non, mais le soir c'est une obligation. Donc voilà, très bon produit. Une odeur agréable, une texture assez fluide, facile à appliquer sur la peau, pénètre très rapidement dans la peau, vraiment. Et effectivement, le matin, bon, ça fait un moment que je les utilise, hein, comme je vous dis, ça fait déjà plus de 3 mois, je suis très ravie de la texture, du teint que ça me donne. Est-ce que c'est combiné à ça que j'ai ce résultat? Je ne peux pas vous le dire. Toujours est-il que seul, je trouve que le résultat était moindre et que depuis que j'applique les deux, en fait, les deux, je les mélange, un rendu sur la peau le soir même qui est topissime. Vraiment, j'aime trop. J'aime ma peau en ce moment de fou. Et enfin, le dernier produit, toujours 3,49€, c'est le petit contour des yeux qui est un petit peu à base de... Il fait penser un peu aux bases de maquillage à base de silicone. Donc, c'est le Cellular Beauty pour les yeux. J'essaye de faire vite parce que je veux pas que cette vidéo dure longtemps. C'est une... Donc, il est censé protéger les radicaux libres, retend la peau et uniformise la texture de la peau et du contour des yeux. Il contribue à diminuer les cernes, hydrate, nourrit la peau délicatement et donne une sensation de police et régénérée. Alors il est pas mal. Ce que j'ai remarqué c'est que quand je l'applique le soir, il a un côté très frais, limite piquant sous l'œil. Limite, j'ai bien dit. Donc je me demande s'il y a des huiles essentielles là-dedans, je ne sais pas vraiment, c'est pas super, pas très indiqué et spécifié. Alors ingrédients, je pense que oui, parce que je vois un truc flower extract et à mon avis c'est qu'il y a des petits trucs en huile essentielle, etc. Parce que voilà, favorise le renouvellement cellulaire et retensifie la... Vraiment cette petite gamme de chez Sien, elle devrait être là en permanence quoi. Je comprends pas que dans mon Lidl il n'y ait plus cette gamme, je suis dégoûtée. Je me serais jetée dessus pour
acheté la crème de jour parce que j'ai vraiment du coup envie de la tester. Et j'aurais repris un sérum parce que pour le coup c'est vraiment mon coup de cœur. Donc voilà pour ces trois petits produits de chez Sienne. J'essaye d'aller très vite et de faire en sorte que voilà, je vous donne un petit peu mon avis global sur ces produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre. Salut.